Put a glass box around her and she'll break the glass. If you try... On est parti. Salut les gars, nouvelle vidéo. Là j'ai pris Erwan, donc le copain de ma meilleure pote, qui voilà voulait tester en tant que passager la moto pour peut-être après pourquoi pas passer le permis. Donc là on lui fait faire un petit tour au point d'ancrage, hein, toujours au même endroit. Et là c'est qu'on est content quand il y a des bons freins. On va pas trop faire de fifou ici parce que on sait jamais si je me fais flasher ou autre. Ça serait con quand même. Accélérer pour lui faire sentir le côté un peu positif de la chose. Vous m'en prie. Ainsi. J'ai hésité à l'écraser, est-ce que je me suis dit c'est une retraite en moins. Ah tiens, les gens comme ça faut laisser passer, j'en ai en ville et puis en fait si tu laisses pas passer toi, personne ne laissera passer alors. Ouais les gars, faut aller un peu quoi. Ah, je crois que j'ai mon autre blouson qui est ouvert. T'as fait le choc ouvert. Elle est bien, je parle pas trop. Elle est un peu en mode pure sound, yeah. Bon, j'ai pas le pot SC Project, mais quand même. Enfin, le bruit d'origine est quand même sympa. Après, je fais un peu attention parce que ouais, y a des vélos, y a Erwan juste. Sérieux, les mecs. Bon, je crois pas qu'il m'ait dit bonjour, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça sent bon.
C'est beau là. C'est pas mal, ouais. Allez, si tu veux descendre. Wouh. Quand il y a des bosses, je décolle moi. Ouais. Oui, bah moi aussi je décolle, t'inquiète. Dans cette deuxième partie de vidéo, vous aurez plus ma douce voix en direct du casque, parce que comme un idiot, j'ai oublié de rebrancher le micro à la GoPro. Donc pour la suite, je vais basculer le son sur celui de la 360, et après une dernière intervention de ma part, on finira en musique, jusqu'à la conclusion. Oh oh, alerte au coq-gueule! Alors nous pouvons assister à un super combo. Deux cyclistes qui auraient pu se mettre en file indienne histoire d'eux, et une voiture qui impatiente double dans un virage sans visibilité. Alors je suis bien placé pour savoir la dangerosité de cette action. D'ailleurs je vous renvoie à une précédente vidéo si vous êtes curieux. J'espère que ça t'a plu. Bah, ouais, j'ai bien senti. Ah.